Le Boeing 777 de Malaysia Airlines s'est volatilisé dans la nuit du 8 mars entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam. Le vol MH370 effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Le Boeing 777 a décollé à 0h41 heure locale et atteint une altitude de croisière de 10 700 mètres. Le contact radar a été perdu vers 1h30. Les relevés de vol laissent supposer que l'avion a suivi une route de 25 degrés en direction du point de cheminement Igari. À mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam, l'avion a changé de cap vers l'ouest à l'opposé de son plan de vol. L'opérateur de satellite Inmarsat et le bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens ont conclu que le MH370 a volé dans le couloir sud et que sa dernière position se trouvait au milieu de l'océan Indien. Lundi 24 mars, Malaysia Airlines a confirmé que l'avion était tombé dans le sud de l'océan Indien et qu'aucune personne à bord n'avait survécu.